Bah écoutez, on est content d'avoir gagné. Maintenant, on va dire que ce match, on le gagne logiquement. Je pense qu'on s'est mis une petite pression par rapport au premier match qu'on a fait contre le Bermude et la physionomie du match contre le deuxième match où on a gagné 3-2. Je pense que voilà, avec l'équipe qu'on a, les qualités qu'on a, on n'a pas le droit de se mettre de la pression contre des équipes à ce niveau-là, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Mais Haïti est beaucoup plus haut que ce genre d'équipe. Et voilà, on se devait juste de s'appliquer et de mettre les occasions qu'on a. Et puis, pas douter, tout simplement. On a juste fait respecter nos talents. Exactement. Aujourd'hui, on a un groupe, je ne vais pas le cacher, on a un groupe faible. Je parle du groupe des équipes. Mm-hmm. Voilà, on doit gagner ces matchs facilement. Quand je dis facilement, c'est avec du sérieux, mais on ne doit pas se mettre en difficulté face à ce genre d'équipe. Maintenant, je pense que des trois équipes, c'est peut-être sûrement la meilleure équipe, Guyana. Mm-hmm. Maintenant, même si Guyana est la meilleure équipe, on reste au-dessus. J'ai pas été au WC, on m'a parlé d'un discours assez motivant. Et du capitaine, c'est quoi c'était déjà? Non, il n'y avait pas un grand discours. Je leur ai juste dit que fallait pas se mettre de pression, que ce genre d'équipe, c'était juste. Enfin, fallait juste bien jouer, que ça allait passer. Et fallait pas se prendre la tête, fallait gagner et rentrer à la maison, tout simplement. Et puis on va jouer contre cette même équipe le 14. Bah, le 14, voilà, ça va être pareil. Si on garde le même état d'esprit qu'aujourd'hui, on va les bouffer comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup. Rien.